Haïti doit la France doit Haïti. Nous connais en pile dans nous habitué avec cette phrase. Mais ça qui arrive, nous pas fin maîtriser toute histoire qui cachée d'elle. Et bien je dis à c'est ça nous bral ouais, qui gens la France t'est pesé pour Haïti, il fait le payer en l'argent. En pile moun relé dette indépendance. Et je dis à en pile moun estimé faut la France remette Haïti l'argent ça. Et à qui intérêt? Mais combien comme ça est jodi a qui j'ai au calcul il et bien on regarder histoire d'être ça. Bon, c'est même petit bagarre là, oui. Ou remettre travail là, pas vrai? Eh bien, abonnez à la page Facebook là, à channel YouTube là, partagez vidéo pour un pile monde kawé. Bon bagaille. Pour nous commencer, on fait un petit rappel tout petit pour nous voir qui gens la France était arrivé coloniser Haïti. Eh bien, pays l'Espagne était débarqué sous Iléa depuis l'année 1492 et puis exploité pendant un bon petit temps. Dans l'année 1697, avec un traité, l'Espagne a décidé de la gagner un petit parti dans la France. La France qui a un petit bout de gâteau pâle a décidé de l'île Saint-Domingue. C'est parti ça qui vient de la République d'Haïti jeudi. Comme Pifo habitant bout d'Iléa a été fin mouri, eh bien, les colons français ont décidé d'aller chercher nèg ak nèges en Afrique pour venir faire au travail tant que bête. Grâce à force travail nèg ak nèges sa yo, Saint-Domingue te vin pi riche colonie la France te gagne. Yo la yo pral commencer faire poésie. Yo rele la perle des Antilles, le joyau de l'empire colonial français dans le nouveau monde, la reine des Antilles. Mais moi même tout, le bon bébé nan mon cap bien géré, c'est parti poésie ou fait, c'est parti acrostiche ou fait. Et bien famille, grâce à colonie ça, la France te campé en mètre dans monde qui t'a exporté pour lui moitié sucre qui t'a consommé dans monde là, 60% café qui t'a consommé dans monde là. Donc pas une blague là. Bon comme nous connais richesse ça t'est bâti sous dos moun y a exploité, gion le quand même qu'a privé, qui a révolté. Ah, dans l'année 1791, des blousailles pral commencer éclater dans Saint-Domingue. Bon, un petit temps après, la France pral calmer jouet là, côté le pral dit esclavage kaba dans colonie. Mais le Napoléon Bonaparte vin chef en France, li vin rendre compte colonie Saint-Domingue te rapporté trop l'argent dans le commerce. La France, pour ta quitter une mine l'argent, aller facile comme ça. Ah mon cher, 20 mai 1802, dans un décret, Napoléon Bonaparte prend décision pour esclavage tourner dans la colonie pire. Les Dessalines, Christophe Pétion, regardez, la France soutourner à esclavage à tout bon. Mais si on dit pas de tête comme ça, rapide, vite, vous mobilisez l'armée indigène. Vous dites la France, coup de zam. Après plusieurs batailles, l'armée indigène a crasé les soldats français. Et puis, 1er janvier 1804, indépendance chérie. Nous, là, monsieur Goumé, il a libéré Boutéa. Là, il vient République d'Haïti. Mais vous n'y a qui j'en cause d'être là pour elle venir même en nous. Après Haïti fin faire victoire indépendance, ça a causé ça te souqué bien fort système esclavagiste qui te tabli col dans le monde depuis plusieurs siècles. Famille Haïti pour elle payer ça a cher. En pile pays pas voulu reconnaître Haïti et en pile pays pas voulu faire commerce avec Haïti. Sorti sous États-Unis même, 28 février 1806, États-Unis sorti loi qui interdit toute relation commerce avec Haïti. À la pays à la guerre pour compte. Ça qui est le plus grave là, sans Haïti pas attendre, dans la date 17 avril 1825, sous Jean-Pierre Boyer, Charles X qui était roi en France dans l'époque, ça sorti une ordonnance. Ordonnance ça dit, pour Haïti jouer un droit pour faire commerce avec l'autre pays, il doit dédommager tout colon français qui était gagné bien avec propriété dans Saint-Domingue, qui était victime de la guerre pour l'indépendance. Pour ça, Haïti doit payer 150 millions de francs en l'or, environ 30 millions de dollars américains. Peuple haïtien, 30 millions de dollars américains en 1825. Ça qui parle étonné au plus dans l'histoire, c'est là qu'on est 150 millions de francs qui étaient représentés dans l'époque 10 années richesse pays d'Haïti. Ordonnance là, plus loin, il dit pour Haïti retirer moitié de taxes sur le commerce la fait avec la France. C'est un peu comme les gens qui volé. Premier salve le bon pied. Comme si nous pensions que citoyens du disparaît, il dit Haïti bal 150 millions de francs. Ah non, 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 non. Et puis avant de faire des demandes, il était gagné sous l'armée à tout près pour le restant là, 14 bateaux de guerre qui prêts pour envahir Haïti. Et bien, famille, je quitte 11 juillet 1825, le sénateur Haïti est réuni. Ils mettent tête d'accord, ils disent Toto Charles, là, je vais l'argent. Il y a des gens qui ne peuvent pas boire et tout, qui disent que c'est normal pour boire et prendre la pression de l'armée française. Ils ont tout. Ils ne peuvent pas donner boire, même pour action ça. Qui dit c'est un honte pour la nation. Pour nous, ce qui est important, c'est qui Jean Haïti pour le payer de ça. Comme Haïti n'a pas l'argent disponible, il était obligé à le prêter. Et il a prêté l'argent dans la banque française encore. L'histoire d'Haïti est une comique. Dans la même année 1825, Haïti a prêté 30 millions de francs. Dans la France,
pour le bail la France. Et après ça, Boyer ajoute des taxes en plus sur la population pour le jeune l'argent. Il fait paysan au travail plus toujours pour le jeune plus d'argent pour l'exporter pour le cas de jeune l'argent. Si toi, ça fait couper bois tout partout dans le pays pour exporter pour le cas de jeune l'argent, pour vous et bailler enfoiré qui tranquille sous l'audine. En 1838, le ciel pral dit un mot pour Haïti. Côté la France, pral réduit la quantité d'argent qui sorti dans 150 millions de francs, il tombe dans 90 millions. Pas oublier, Haïti était en bas 30 millions déjà, Kounia était 60 millions. Kounia, c'est juin 60 millions. Ça crise là, pendant que 60 millions pour payer, Haïti a intérêt qui a monté sous 30 millions de prêts. Le président a passé, d'être payé, prêt à faire, intérêt à monter. 1875, Michel Domingue prêté. 1896, Thérésia Simon Sam prêté. 1910, Antoine Simon prêté. Mais nous avons dit en 1887, Haïti était fin payé, soi-disant, dette là. Mais toute question prêt, intérêt, intérêt pour Banque la France, jusqu'à 1950, avant elle, Haïti a payé. Et donc, la France déplime nous. Et conséquence de ça, a eu plusieurs conséquences. Il a créé un pile d'instabilité. Chaque fois que l'argent sorti dans le pays, ça pourrait jouer la France. C'est une grosse manifestation dans toute la rue. L'économie du pays a vint sous dada, plus misère. Et il a fait la France de toujours bien pied sous nous, dans contrôler le commerce dans le pays et dans contrôler la banque dans le pays. Quand il y a Haïti Goumé, il finit de payer l'argent, ça va. Mais il y a un monde qui a réfléchi qui dit mais c'est ça son tête. Ou mettez dans l'esclavage, ou mettez au dehors, ou brèye de bonnesse. Kounia ou ferme de dommage ou. Kozi abdomi. 7 avril 2003, dans un discours, Monsieur ça, Jean-Bertrand Aristide, qui était président à l'époque, voulait dire la France, par contre, qui ça nous brèye faire? Par contre, qui j'en brèye faire? N'a pour remettre Haïti l'argent. Et n'a pour remettre l'IAC intérêt. Et li baye montant, si tu dis la France, ou après mettre Haïti, 21 685 millions. 135 571 dollars américains. Elle continue pour dire, m'a quitté même, il y a 48 centimes tout qui d'elle. Ou banoul. Il y a un monde qui dit bravo Titi dans toute la report au président époque ça c'est réparation, restitution. Qui l'a tout qui dit bon façon d'utiliser pour te faire là pas de bon. Bref, combat Titi là pas arrivé trop loin. 29 février 2004, on quitte comme ça le débat, le CIA tout enterré. Bien que en 2010, le groupe universitaire a fait une autre tentative encore, bon, sans succès. Combien l'argent la France a donné à Haïti aujourd'hui? Et puis, qui j'ai au calculé? Nous étions en 2003, l'argent était évalué à 21 milliards de dollars. C'est une commission qui était montée, qui était bâillée comme ça. Et bien, pour aujourd'hui, selon Thomas Piketty, un économiste français, d'après le calcul qu'il a fait, l'argent réparation ça équivaut à 3 années PIB Haïti. PIB, c'est toute richesse que pays a produit sur l'année. Je suis basé sur PIB Haïti en 2018, qui était 9,6 milliards de dollars américains. Eh bien, la France a dû payer Haïti 28 milliards de dollars américains. Ça nous est bel petit coup, il y a pour Guyo, il y a pour Banane Pesée, et même pour Prestige. Bien passé. Nous devons connaître une question de réparation pas nouveau dans le monde. Il y a des groupes ou des pays qui font leur pays dédommager pour ça a été subi qui n'est pas normal. Par exemple, les États-Unis qui ont dédommagé les Japonais pour les gens qui ont été traités dans la Deuxième Guerre mondiale. Il y a tout l'Allemagne qui propose réparation à Juifio pour façon de te maltraiter. Nous, ça arrivait déjà, ça arrivait tout à Haïti, je ça un jour. Mais faut nous dire tout avant de finir. Le président français, monsieur le François Hollande, en 2015, il dit par exemple, un goud. Ni un dollar, ni un euro, ni un doué haïtien. C'est une dette morale liée. En tout cas, peace.